Allez, c'est parti pour ce troisième jour d'ouverture de restaurant. Oh, il y a quelqu'un encore devant. Qui êtes-vous? Ah, oh, c'est en anglais. Bah, c'est un inspecteur. Ok. J'espère que vous serez un restaurant respectueux des règles et que vous serez un bon exemple pour les autres restaurants. N'oubliez pas de conserver vos aliments dans les réfrigérateurs afin d'éviter que la nourriture avariée ne traîne sur le sol. De plus, votre entreprise sera salie par les allées et venues des clients, alors n'oubliez pas de nettoyer. Très bien. Hop. On a eu un nouveau truc, mais je sais pas ce que c'est. C'est peut-être les choses comme ça là qu'on a débloquées. Après, est-ce que c'est le moment d'acheter une décoration? Je sais pas. Et en même temps, bah, c'est bien quoi, d'acheter des décos. Je pense qu'on va attendre un petit peu. J'ai vraiment pas assez de sous au menu. Ouais, on n'a pas encore débloqué le reste. Donc pour l'instant, on a encore ça et ça. Et bien c'est parti, hein. On va préparer les assiettes. Peut-être ce serait bien de les mettre droite. On va commencer par l'entrecôte. Qu'est-ce qu'il nous faut déjà? Tomate. Entrecôte. On va prendre ça. Il faudra que je rachète pour demain ce qu'il faut pour allumer le barbecue. Et ensuite, j'aurai besoin donc d'un poulet, une tranche de pomme de terre, un truc comme ça, et un piment. Hop, petite entrecôte, les tomates, et ça, c'est prêt. Ok, presque à 100%. Alors, les ingrédients, je ne sais pas pourquoi ils me mettent 96% par contre. Alors tout sortir en même temps, ça c'est génial. Merde, je crois que je l'ai pas fait assez. Allez, c'est pas grave. Hop. Hop. Petit piment. Ça c'est bien. Je l'ai arrêté même pas une seconde avant la viande. Et apparemment c'est tout bon. Ok. Je vais me préparer une assiette pour après. Hop. Je viendrai mettre les ingrédients. On va ouvrir le restaurant. Alors j'ai de quoi en refaire au moins un comme ça. Prêt, ok, je pourrais en même temps déjà prédécouper des pommes de terre. Vous avez déjà fini. Parfait. Madame également. Je vais essayer de faire la plonge un peu au fur et à mesure. Hop. Allez, monsieur, vous prenez quoi? Non, vous allez prendre du poulet, vous. Et madame, du poulet également. Alors, je vais essayer un truc. Si je fais ça. Bah ça, c'est pas la peine de faire plus. Par contre, si je fais ça, je vais essayer un truc. Ça. Et ça. Parfait. Ah, vous avez déjà fini? Ok, faut que je me dépêche, ça par contre. Faut que j'y pense. Hop là.
De plats, ça dépend de ce qu'ils prennent. Entrecôte. C'est parti. Tomate. Je vais la sortir maintenant. Oh non, elle n'est pas cuite. Ah, ah, génial. Elle va être trop cuite maintenant. J'ai un peu foiré ça, mais bon. Tant pis. Ouais. La viande est un peu trop cuite. Bon. C'est juste qu'il va y avoir encore des pertes. C'est dommage ça. Qu'on puisse pas... je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas qu'on perde comme ça de la nourriture. Mais bon. Alors que je rachète ça. Ça, je vais le sortir. 30 secondes là. Va falloir que j'arrange ce truc-là. Je sais pas comment... Comment faire. Oh, il est pourri le resto par contre. Au moins, bon, déjà, ces assiettes sont faites. On va fermer le resto du coup. C'est terminé. Petit coup de nettoyage. Je vais ranger ça là. J'aimerais bien déplacer, enfin, je sais pas comment dire, déplacer ce truc ou je sais pas. Je sais pas trop comment faire. Voilà, les ingrédients ici. Après, ça me paraît pas si mal. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais prendre? Un truc comme ça. Oh, mais c'est super cher, 500. Ok. Les petites brochettes. Mettre ça là. Hop, alors je crois que je les avais mis là. Et en fin de compte, c'est mieux de les mettre ici. Le bol, il peut toujours rester là pour l'instant. Ensuite, si je prends ça. Alors, brochette. On va faire une comme ça. Et ensuite une comme ça. Donc là, j'ai ce qu'il faut pour trois préparations avec le poulet. Les poulets, ils sont déjà salés, c'est nickel. À toi. Donc sel. Poivre. Nickel. Alors je peux en mettre une parce que de toute façon il faut que j'en fasse. Voilà. On va prendre ça. Ensuite deux comme ça.
Là, et là, je peux en faire combien? 1, 2, 3, 4. Donc, je peux en faire 2. Il m'en reste plus qu'une. Donc, il faut que j'aille rechercher. Oh là là. Pour faire 3 entrecôtes. Donc, 2 tomates, un persil, une entrecôte. 2 tomates, un persil, une entrecôte. On va déjà faire cuire ça. Je l'ai fait trop cuire, je crois. Voilà, le premier est fait. Deux tomates, un persil, une entrecôte. Merde, quelle... La journée est passée? Non, j'ai fait ça pour rien. C'est moi ou la journée est passée? Oh merde. Attendez. Je vais m'arranger de ça pour demain du coup. Mais je crois que j'ai fait passer la journée sans faire exprès. Le temps de faire tout ça. C'est un peu con de retourner au marché, chez le primeur pour une pomme de terre. Mais bon. Ah, j'ai oublié. Ah, génial. J'ai oublié le carton. Je l'ai pas acheté. Ah. Bon, ben voilà. Je vais pouvoir allumer au moins une fois demain. Tout est lavé. Ouais, c'est bon. Cette fois, on ferme boutique. Allez, hop.